Et salut tout le monde, on se retrouve pour la suite du let's play d'Uncharted 4. Donc j'ai fait quelques petits réglages. Normalement ça devrait être bon. Tu sais quoi? Et si tu passais devant? Là-bas là? T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Donc on continue de suivre Sam pour s'échapper quelques temps du pensionnat. Merci, okay. Merci. C'est parti. Oh, oh, oh. Quand la main de Nate est tendue, il faut appuyer, d'accord. Ok. What? Il s'est téléporté, non? Donc ouais, j'ai fait des réglages, alors en fait, il n'y a que moi qui n'entend pas les voix. Par contre, sur le HDPVR, ça s'entend parfaitement. Mais vas-y. Donc c'est bizarre. Alors je suis désolé mais ma PS4 est toujours en train de cracher du feu. Donc si vous l'entendez, je suis vraiment désolé. Donc là ça se calme là, ça va. Wow, t'as une 250? Une 250, non mais ça va pas. C'est une 500 cm3. Bicylindre mon petit gars. Oh, elle est trop belle. Tu m'étonnes. À qui tu l'as volée? C'est pas très sympa ça. Justement, puisque t'abordes le sujet, j'ai beaucoup changé, tu sais. J'ai travaillé très dur pour me la payer. Allez, viens, grimpe. Quoi? En général, quand tu fais un truc de ce genre. Ah là là. C'est que tu veux te faire pardonner. Tu sais que ça finira par te jouer des tours d'être aussi malin. Ok. J'ai trouvé du boulot. C'est bien payé. Très bien payé. L'inconvénient. C'est que je dois partir quelque temps. Combien exactement? À peu près. Je me tais. Un an. Grand max, et je serai revenu avant même que tu t'en rendes compte, t'inquiète. Tu vas me laisser tomber? Oh, arrête, pas la peine d'en faire des tonnes. C'est pas déjà assez cruel de me laisser pourrir ici? Comment tu peux me faire un truc pareil? Attends, si je le fais, c'est pour toi. Tout cet argent que je gagne, il est pour nous deux. Et dans deux ou trois ans, deux quand ou tu sortiras. Trois ans, tu rigoles? Je veux venir avec toi. Non, je galère déjà bien assez tout seul. Mais je peux bosser. Je sais que tu penses que ça craint l'orphelinat. Oh, t'imagines même pas. Si, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu comprends? Je t'assure, fais-moi confiance. C'est pas juste. Hey. On n'a pas eu de chance dans la vie, mais ça nous a pas arrêtés. Pas vrai? Ouais. Tu sais, cette moto, c'était pas la seule surprise de la journée. Mais à quoi bon faire durer le suspense? Quoi? J'ai retrouvé les affaires de maman. Tout ce que papa a vendu, je sais chez qui c'est parti. Tu dis pas ça juste pour me remonter le moral? Non, je te jure que c'est vrai. Où ça? Pas loin, de l'autre côté de la ville. Ça te dit si on allait les récupérer? Tu veux qu'on les vole? C'est pas vraiment du vol puisqu'on va récupérer ce qu'il y a à nous. Ça m'étonnerait que les flics voient ça du même œil. Pourquoi tu veux qu'on se fasse choper? Prêt, champion? Carrément. Ah oui, d'accord. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, eh? D'un coup, le son est super fort. Alors, ferme mieux si tu veux te débarrasser de moi. Acabemos con esto. Attendez, je baisse le son de ma télé. Attendez! Parce que j'ai monté le son pour. Putain, et je vous assure. Ne cassez jamais votre télécommande parce que à chaque fois se lever pour changer le son c'est horrible. Appuie sur K1 pour attaquer. Dale. Chingada, este gringo sabe pelear, eh. No dejes que este tipo te gane, Gustavo. ¿Cómo está esto? ¿Eh? Dale una paliza. Me muevo, piste. No puedes. A ver cómo te sales de esta. Ok, donc il n'y a plus marqué triangle quand on doit appuyer sur triangle. Ok, d'accord. Sauf là. Oh. Tu l'as bien cherché. T'es foutu là. On peut pas esquiver les. D'accord, on peut pas esquiver les coups de poing. Avant, on pouvait tout esquiver.
Ok, ça on peut pas l'esquiver par exemple. Ok, c'est... Changement de... Pentero. Ça, j'ai l'impression qu'ils font énormément de références à... Coco. À Uncharted 3 quand il est à Carthagène. Parce qu'il dit Pendejo aussi. Mais en même temps c'est une langue, donc c'est normal qu'il le dise, mais... Enfin bref. Vous m'avez compris. Ça suffit, idiotas. Suéltame. Vous n'étiez pas en train de se battre? Hein? Pas vrai, l'avorton? Oui, à matar, je digo comme merda. Eh, fais-moi signe quand t'attendras les pédales de la voiture. Vous serez tiré par le culo. Solitaria. Cállalo. Vargas. Vargas. Ça me dit quelque chose. Pas d'Uncharted, mais ça me dit quelque chose. Non, c'est bon, ma PS4 ne fait plus de bruit. Allez. Tant mieux. Allez, quoi. Combien de temps je vais devoir coupir là-dedans? Encore en prison. Et où sont les toilettes? Je te laisse deviner. Amuse-toi bien. Je vais me gêner. Gracias. Ça fait trois fois qu'il est en prison, hein. Uncharted 1... Uncharted 2, ouais. Après, quand il s'est fait prendre au musée. J'étais en train de faire un super rêve. Hé, 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 on se calme. Doucement. Ah. Ok, calmate. L'enfer sur terre. Es por tu culpa, pendejo. Et sinon, je pourrais prendre une douche. Cállate. Bonjour messieurs, ou bonsoir, difficile à dire au fond de ce trou. Oye idiota, monte les escaliers. Viene saliendo un prisionero, abran la reja. Ok. Ça va, je comprends à peu près ce qu'ils disent. Il me reste des notions d'espagnol, même si ça fait 2 ans que j'en ai pas fait. Qui c'est qui rigole? C'est beau, et humide aussi. On est à Panama, d'accord. Dis lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muévanse. Quítense, cabrones. Hey, hey. Tranquilízate. C'est ici qu'il y a le Panama Paper. Ouais, hey, mon public adoré. Oula. Abre las rejas. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. ¿Qué? Diviértete. Je parle un peu espagnol, tu sais. Attends, mais qu'est-ce que t'as dit? Te lo advertí, pero no escuchaste. Mais elle est joyeuse l'ambiance ici. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Rien. Qu'est-ce que tu... Il a dit qu'est-ce que tu regardes et... Ouais, je pense que vous avez compris. Wow. Eh ben attends, bah, dis-moi quand il faut tourner au lieu de m'agresser comme ça là. Toi je vais te tuer, je te jure. J'en fais une promesse personnelle. Ok, d'accord. Bon, une porte comme ça en général, c'est synonyme de gros ennuis. On peut pas aller par là plutôt? Je préférerais être dans une cellule. Allez, avance. Parce que là, on dirait une porte genre empêcher de sortir, empêcher les sons de sortir et tout. Je sais pas, que ça ressemble pas au bureau du directeur. J'avoue. À gauche. Ouais, c'est bon. Non, je croyais qu'il y avait un trésor dans l'eau, mais pas du tout. Par là. Par là. Par là? Mmh.
C'est joli. Ok, tu me les enlèves ces menottes ou quoi? Je veux en être. En être? Je sais pas ce que vous comptez trouver là-haut, mais je veux en être. Attends, Vargas, le deal c'était que tu nous fasses entrer et ressortir, c'est tout. C'est tout. Ah, d'accord, c'est notre place, Gringos. C'est vrai, mais Rafe te verse une très grosse somme en contrepartie. Si. Mais c'est loin d'être suffisant. T'aurais jamais dû regarder dedans. Je sais. J'aurais jamais dû non plus me laisser acheter. Ni vous emmener dans cet endroit. Ni passer mes nerfs sur mes détenus. Mais c'est comme ça. Tu pourrais faire attention, ça a au moins 300 ans. J'étais membre de l'équipage du capitaine Henri Avry. Tu sais de qui il s'agit. Avry était un pirate. Le pirate qui a ramassé une aventurier, c'est pareil. Et qui a disparu avec. J'ai fait des recherches. C'est super. Ah, je savais pas ça. De plus de 400 millions de dollars d'or et de bijoux. Tout ça, bon, ça je savais. Bateau. Le grand mogol. Le Gunsway. Ouais. Je sais, je connais cette histoire par cœur. Où est-ce que tu veux en venir? J'occupe la cellule la plus élevée de la prison espagnole. Ah, ici. J'espère qu'un jour vous finirez par trouver votre chemin en ce lieu infernal, que vous porterez ma croix et que vous découvrirez les richesses du paradis. Et alors? Qu'est-ce que tu veux? Les richesses du paradis. C'est une métaphore. Non, 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 non. Toi et tes amis, vous m'avez pas payé pour venir dans ce lieu infernal à la recherche d'une métaphore. Alors je veux en être. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Tu me laisses monter là-haut, faire le tour de cette cellule. Si jamais il reste quelque chose après 300 ans, t'auras qu'à t'arranger avec Rafe. Allez, détache-moi. Ok, d'accord, bon. On commence à comprendre un peu ce qu'il faut ici. Por favor. Et comment tu comptes faire pour monter? Je vais grimper. Oh, sauf bien sûr si tu veux le faire toi-même, puisque tu veux absolument en être. On va pas te briser le coup. Ouais. Je vais faire en sorte. Ok, bon, là on est lâché. Ouais, je l'ai caché juste là. En dessous de la table de travail, à côté des caisses. Super, merci. J'imagine que c'est le grappin dont il parle. Wow. Ok, d'accord. Voilà, on peut glisser. Faut voir, attendez le paysage. Ok, y a pas de paysage. Enfin, à chaque fois que je veux voir le paysage, y a pas de paysage. Là. Ouais, le grappin. Enfin, les affaires reprennent. Ok, bon, c'est cool. J'imagine qu'il faut l'accrocher là-haut. C'est quoi ça ici? On peut pas, on peut rentrer, enfin... Non, pas du tout. Ok, je pense qu'il faut aller par là. Ah, c'est pour un trésor, très bien. On peut examiner... Ok, on peut l'examiner, bon, comme dans les précédents. Très bien. Trouver des trésors, des pages de journal... Ok. Ça devrait faire l'affaire. Attendez. Oui, non, je suis con pour aller là. Je pensais qu'il fallait grimper sur la caisse pour aller jusque là-bas, mais non, c'est un petit peu trop loin. L3. Là, c'est cette cellule. Comment je vais arriver là-haut? C'est parti! Parfait. En tout cas, ce grappin a l'air vachement cool. Je l'ai essayé déjà dans le multi. Et il s'annonce vachement cool. Ok. Faut aller vers le bas, non. Vers là. Tac, tac, tac. Wow. En tout cas, j'ai hâte de revoir... Sully, Elena. Je sais pas si à Chloé, on n'a pas vu une seule image de Chloé. Ça m'étonnerait qu'elle n'y soit pas. En m'accrochant à ce poteau. Ça devrait le faire. Quoi? Ah, il faut glisser et s'accrocher au poteau. D'accord, bah attendez. D'abord. Non, il n'y a rien ici, d'accord. Ok.
J'ai préféré ne pas sauter histoire d'être sûr de mon coup. Parfait. J'ai vraiment hâte de raconter ça à Sam. Ok, par contre j'ai un peu du mal à faire la chronologie. Là, est-ce qu'il a déjà rencontré Sam? Allez, toujours plus haut. Toujours plus haut. Bon, là on va pouvoir voir le paysage. Ok, c'est vide. Mais c'est beau. C'est beau quand même, mais c'est vide. Oh, c'est joli là. On peut faire un saut de la foi. C'est où qu'il faut aller? Oula. Attendez, je crois que je suis un peu con parce que... Non, d'accord, c'est là. J'ai failli sauter dans la mer, mais non. Hop. Le toit qui est pas du tout solide. C'est bon. Allez, hop. Je trouve la cellule la plus haute. La plus haute tour du plus haut château de la plus haute montagne. Difficile de croire que des dizaines de pirates étaient terrés là-dedans, en attendant d'être pendus. Mmh. Intéressant. Ça me fait penser un peu à maintenant. Assassin's Creed 4. Et maintenant, faut descendre du... Ok, cool. Tac. Allez, faut bien le reconnaître. C'est vraiment trop cool. J'avoue, c'est vachement cool le gravin. Parfait. Ah, si seulement Sam pouvait voir ça. Nous y voilà. C'est la cellule de Burns. Une Burns. Cellule. Ça ressemble plutôt à une suite. Oula, il y a plein de symboles. Par où commencer? Ça, c'est une boussole. V. On dirait que quelqu'un a passé un sacré bout de temps ici. Ah, d'accord, je pense qu'il va y avoir une énigme avec, avec des chiffres romains, et enfin avec des symboles bizarres, et chaque symbole signifie un. Doit bien avoir un sens. Chaque symbole, par exemple, ce V bizarre, ça veut dire 7, ce M bizarre, ça veut dire un 3. Mais dans quel sens? Alors, attendez, il y a pas un truc. Ah, voilà. Là. Je pense qu'il faut appuyer sur les pierres, mais... Il y a pas le carnet de Nathan? Si. Lire. C'est... Oula. On va tout lire, hein. Montrer cher fils Richard. Ces diables d'Espagnols m'ont enchaîné dans la vice-royauté de Panama. Je suis accusé d'actes de piraterie. Le procès n'est là que pour la forme. Je vais mourir sous peu par pendaison. Je vous le confesse, aujourd'hui, j'étais un membre de l'équipage du capitaine Henri Avery. Avec mes compagnons d'équipage, j'ai pris part au pillage du Gunsway hindou. Ouais, c'est le grand mogol, c'est un truc hindou. Enfin, c'est en Inde. Nous avons commis des atrocités aux yeux de Dieu, et aujourd'hui, je dois payer pour mes péchés. J'occupe désormais la plus haute cellule de la prison espagnole, et je contemple l'océan, rêvant de vivre d'autres moments paisibles avec vous et votre mère. Bien que mon cœur soit rempli de regrets, sachez que j'accepte volontiers mon destin. J'espère qu'un jour, vous finirez par trouver votre chemin en ce lieu infernal, et que vous porterez ma croix... et que vous découvrirez les richesses du paradis. Votre père bien-aimé, Joseph Burns. Ça m'a pas aidé. Non. Ranger. Tourner. Comment on... Bon, tant pis. On peut pas sortir, j'imagine. Là. Le soleil et la lune. Les symboles alchimiques de l'or et de l'argent. De l'or et de l'argent. Il semble que j'ai vu quelque chose comme ça sur la lettre. Ah, c'est bien une partie du symbole. Ah, voilà l'autre. Là, il y aura la lune, voilà. Alors. Première énigme. Si on plie, ça va faire ça. Okay, ah. Alors, j'ai deux signes du zodiaque. Sagittaire et Scorpion. Je connais pas les signes, donc je vais les appeler à ma façon. Il y a une flèche,
Il y a une sorte de flèche avec une barre et un M. Un M avec une queue. Une flèche avec une barre et un M avec une flèche. Voilà ça, donc c'est 10. Et M avec une queue, M avec une queue. Là. Enfin, non, pas du tout. C'est pas ça, c'est pas ça. Là. Donc c'est 10 et 2. 10 et 2. J'imagine qu'il faut appuyer sur le 10 et le 2. 10. Là. Alors attends. Le chiffre romain 10. Qu'est-ce que disait la lettre déjà? Dix et deux. Oui, c'est le truc et c'est ça, donc c'est dix. Attendez. je suis déjà bloqué la première énigme. Oui, c'est le même. C'est le 10 et le 2. L3. Ben oui, voilà. Ah, mais peut-être qu'il faut à l'envers, non ? Signe scorpion et un 2 en chiffre romain. Ah non, mais j'étais sur la bonne voie en fait. C'est juste que c'est pas la bonne façon. Du coup, le 2. Le 2, là il y a le 1, le 5. Le 2 il est là. Et le chiffre romain. J'ai dû louper un truc sur la lettre. J'ai dû louper un truc sur la lettre. Sagittaire, 10 en chiffre romain. Peut-être qu'il faut faire le 12, non ? Puisque 10 plus 2. Attendez, on fait ça et après on va re-relire la lettre parce que. Si ça se trouve, vous avez déjà trouvé. Pourquoi il y a une boussole ? Attendez, on va lire la lettre. On peut pas la lire. C'est encadré, il y a un R. Je dois être stupide. C'est la seule. Le lit, on peut rien faire avec. 10 et 2, 10 et 2. Il n'y a pas un 10 là. Là, il y a un 2 encore. Chiffre romain 2. Ah, peut-être qu'il faut appuyer sur le bon mur. Par exemple, attendez, le 10, il est là. Donc peut-être qu'il faut appuyer sur le 10 qui est sur ce mur. Oui, mais ça je sais, merci. Ou alors. Non, je pense pas. 10. Ah, c'est pas ça. On va tous les faire. Hein. Non, celui-là non plus. On va tous les faire, ouais, parce que là ça commence à m'énerver déjà. Ah, rien. Je devrais encore jeter un coup d'œil à cette lettre. Oui, pour consulter. Oui, mais on peut pas lire la lettre? Ah! Attendez, je viens d'avoir une idée. Où il est le symbole de. Non, on peut pas appuyer sur le symbole. On va tous les faire, au moins comme ça, ce sera fait. Non. Tac. Non. J'aimerais bien voir une. Une explication à l'énigme là parce que là c'est ridicule. Le 3, non. Ah, le 12, mais putain, il était là le 12, c'est celui-là. Je l'avais pas vu. Je vous avoue, je l'avais pas vu. J'avais compris peut-être qu'on pouvait faire 10 plus 2, mais je l'avais pas vu. Ah, je suis vraiment con. Hein. Excusez-moi, je sors de partiel, du coup, je suis un peu. Je suis un peu crevé d'une semaine de partiel. Digna factis. Digna factis recipium. Recipimus. Voilà. Ok. Je sais pas si ce sera une sorte de clé ou. D'ailleurs, je me demande quels seront les trucs surnaturels de ce jeu. Il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller.
Ok, bon, tout ça, j'ai passé une demi-heure à peu près sur une énigme. Complètement con sur une addition. Mais je l'avais pas vu, désolé. J'avoue, j'ai pas compris, mais oui, j'avoue, c'est un peu dangereux. Là, ils vont nous apprendre à faire du rappel. Enfin, à descendre plutôt. Maintenez L1 et L1 pour descendre. Ah, d'accord. Donc, quand on appuie sur L1, en fait, on. D'accord, je comprends. Et maintenant. Attention. Hop. On va se dépêcher. C'est bon. J'ai pas fait exprès d'appuyer à la base, mais. Encore une fois. J'aimerais bien voir Rafe faire ça. Rafe, c'est qui Rafe? Il y a l'air d'y avoir beaucoup de nouveaux personnages. Vargas, Sam, Rafe. C'était mon épaule. Ok. Voilà L3. Je veux ma part. Je veux en être. Je vais t'en donner, moi. Ah, cette imitation de l'accent espagnol. Il y avait ma part. Il y avait un être. Oh, merde. Non. Je crois que j'ai bugué. Voilà. Bon, ça c'est fait. Bon, deuxième mort. On va faire une mort par épisode, je pense. Ah, il faut aller par là, c'est ce qu'il me disait. Oh, merde. Non. Alors quand il a la main tendue, en fait, on peut sauter, d'accord. Il faut juste que je me réhabitue au gameplay, enfin que je m'habitue plutôt. Parce que je peux pas me réhabituer vu que j'ai jamais joué. Hop. Alors si parfois vous me voyez faire des trucs bizarres avec la caméra, c'est pour voir si c'est des trésors. Ça c'est bon signe. Voilà. Beau travail. T'as trouvé quoi, Drake? Quoi? L'endroit a été pillé. S'il y a un indice caché là-haut, j'ai pas réussi à le trouver. T'en es sûr? T'as bien regardé au bon endroit? Je sais pas, j'ai peut-être loupé une info dans la lettre. Il y avait peut-être une autre tour dans le coin qui a fini par tomber en ruine. Ouais, c'est ça. Est-ce que y a des plans de ces bâtiments? Des plans d'architecte? Ça se pourrait, y a pas mal de paperasse. Ok, super, alors on va en faire le tour, et vois ce que tu peux trouver. Pendant ce temps, je vais parler à Sam, c'est lui l'expert sur Avery. Si ça se trouve, il comprendra tout ça mieux que moi. D'accord, je vais regarder les dossiers. Ouais. D'accord, donc en fait, c'est encore un flash forward. Dès que t'as fini de lui parler, viens m'expliquer. On fait ça. Gringo, si je te reprends encore à te battre, je te foutre une semaine. C'est un sacré lecteur, Vargas. Presque aussi bon que moi. Ah, y'a Sam. Suerte de principiante, verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que ir. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Oh la vache, ils t'ont vraiment pas loupé, ça ouais, va? C'est la routine, rien de bien méchant. Allez, viens. Hey, oh. Tu vas quand même pas faire durer le suspense. T'avais raison. Tu veux dire on avait raison? Il ne nous reste plus qu'à trouver Rafe et à... Non, commence pas, s'il te plaît. Allez, arrête. Tu l'as dit toi-même. C'est nous, les cerveaux, toi et moi. Cette espèce de gosse de riche débarque au dernier moment. Ça fait combien de temps qu'on essaie d'entrer? On avait quelques pistes. Non, on n'en avait pas. On n'avait que dalle. Que ça te plaise ou non, sans Rafe, sans Vargas, on ne serait jamais rentré ici. Parlant de Vargas, on va avoir un problème. Quel genre de problème? Il t'a fait rentrer dans la vieille prison? Ouais, il l'a fait. Bien. Mais après avoir lu la lettre.
Qu'est-ce qu'il sait exactement? Assez pour vouloir sa part. Oh merde! Riff, si jamais quelqu'un d'autre en entend parler. T'inquiète pas, je vais m'occuper de Vargas, ça va aller. Pour l'instant, on ferait mieux de se concentrer sur le plus important. T'as raison. Il faut qu'on trouve un endroit un peu plus discret. Ouais. Ok. Je commence un peu à comprendre. Bon, on sera tranquille ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi ils sont là? Ouh, merde. Est-ce que je peux? Fais attention, s'il te plaît. Il est en bois incrusté d'or et d'argent. C'est de la belle ouvrage. Complètement creux. Pourquoi est-ce que l'un des hommes d'Avry prendrait la peine de cacher un crucifix qui n'a aucune valeur? Parce que c'est pas un crucifix. Techniquement, un crucifix est une représentation de Jésus. Là, c'est pas Jésus. T'as raison, pas de couronne d'épines, il est ligoté. C'est bien ce qui me semblait. J'ai pas osé dire que c'était Jésus parce qu'il me semblait que ça ne ressemblait pas. Je suis intelligent un peu quand même. Digna factis recipimus. Nous recevons. Ça dit, nous recevons ce que nos actions ont mérité. Ouais. Impressionnant. C'est l'avantage de grandir dans un orphelinat catholique. Donc c'est Saint Dismas. Ouais, le voleur pénitent. Il y a un lien, mais lequel? Les gars, vous pouvez m'expliquer? Je vous rappelle que j'ai pas fait mon catéchisme. Alors, pendant la crucifixion, Jésus est placé au milieu de deux voleurs, ok? L'un des deux s'est moqué de Jésus, l'autre voleur, ce gars-là, il est pénitent. Il a accepté son châtiment de bonne grâce. Du coup, Jésus l'a fait monter au paradis. Le voleur pénitent. Ouais. D'où les richesses du paradis. Compris. Il y a bien une cathédrale dédiée à Saint Dismas. Elle est en Écosse. Et la dernière fois qu'on a vu Avry, c'était en Écosse. C'est quand même pas une coïncidence. J'avais des doutes sur vos compétences à tous les deux, mais... Allons chercher Vargas et foutons le camp de Stroira. Hein. Ah. Laisse-moi deviner, ce serait pas le type avec qui tu t'es battu? Je savais pas qu'il avait autant d'amis. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¿Quién no sale? Hey, tú no te metas. Oh. Oh. Ok, ça commence de suite. Ok. Touche pas mon frère. Wow, wow, wow. Et ce bordel. T'es où? Cœur en un coup. Ok, mais en fait les touches s'affichent pas quand il faut appuyer dessus, du coup je suis un peu perdu. Oh not... Buenas noches. Ah c'était joli ce qu'il a fait. Ça existait déjà dans les précédents mais... Oh! L'autre il s'en sort? Ouais, tranquille. Mais ils sont tous pas. Enfin, ils se ressemblent tous ou. Ce combo entre deux mecs. Ils sont combien là-haut? Je suis un peu perdu quant aux touches qu'il faut appuyer. Parfois il faut appuyer sur carré, parfois il faut appuyer sur triangle pour esquiver. Là par contre c'est triangle. Eh ben putain. Voilà. Mais lâchez-moi. Ok, espera. Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alínense.
Ah putain, ils vont trouver le... Voilà. Ah putain, du coup, il va comprendre qu'on essaie de le doubler. Qu'est-ce que tu fais de la contrebande? Kayate! Pour qui est-ce que tu te prends? Llévalos a su celda. Me trae a los gringos a mi oficina. Ouais, la contrebande, parce qu'avant on pouvait, enfin on peut cacher la drogue dans les crucifix comme ça. Je l'ai appris dans Lost. Déjennos. Ça t'en a pris du temps. On a bien failli se faire tuer. Ça peut s'arranger. Vargas? Et sérieux là? Non, j'ai rien trouvé du tout. C'est forcément dans une autre tour. Alors ? Mais des catholiques pure souche, tu sais. J'en ai toujours une sur moi. Hé, du calme. Elle a aucune valeur, d'accord ? Vous me prenez pour un con ? Oh, si tu veux qu'on renégocie, allons-y, mais arrête de jouer à la racaille du tiers-monde. Allez, pose ce flingue. Merci. Je te propose de passer ta part à 10%. 50%. C'est nous qui faisons tout le boulot. 20%. Si on n'était pas là, t'aurais rien. 25%. Comme vous autres. 25. Ça vous paraît équitable? C'est pour ça qu'il va nous tuer. Ok, ça marche. 400 millions divisé par 4, c'est logique. Alors marché. Bah, ça fait 100 millions. Ok, marché. C'est fait. Beaucoup quand même. Super. Mais si jamais vous essayez de me Ah bah. Mais putain. Voilà, c'est réglé. T'es devenu complètement dingue ou quoi? Tu veux vraiment le savoir? Et merde, qu'est-ce qu'on fait? On s'en tient au plan. Ça faisait partie du plan, ça? Suivez-moi. C'est le nouveau plan. Allez, dépêche! Ok, bon. Vous savez quoi? On va se lécher là. On va se lécher là. Oui, léchons-nous entre nous. On va se laisser là. Ça fait 40 minutes, ouais. En plus, je suis pas chez... Enfin, j'ai pas une bonne connexion là où je suis actuellement. Du coup, ça va mettre longtemps à s'envoyer. Donc, je préfère faire de petites vidéos. Du coup, on se retrouve de suite pour l'évasion, je pense, de la prison. Ciao!